Salut tout le monde! Cette semaine, je vous apprends des verbes utiles pour un peu canaliser nos bébés. Wouh! Pour le mot doucement, on peut utiliser une main, deux mains, vous faites comme vous voulez. C'est pas très compliqué, on met notre main comme ceci. C'est en B. Vous prenez la configuration B, vous l'incurvez un peu et vous faites ce geste-là de rotation qui veut dire tout doux, fais doucement. Vous faites plusieurs ronds, doucement. Ça montre en fait qu'on est doux. Donc ça en fait c'est aussi le mot doux, de la douceur, c'est tout. Quand on le fait sans la main, ça montre que c'est une action qu'il faut faire plus doucement, plus calmement. Doucement, doucement. Ne me crève pas les yeux avec tes ongles, merci mon bébé. Voilà, vous voyez, doucement. Surtout, faites-vous le geste doucement. N'allez pas faire ça, ça sert à rien, le bébé va devenir plus agressif et vous arracher un œil. Il faut le faire de manière très douce, comme on le lui demande, doucement. Le mot « attend ». Le mot « attend », on le dit beaucoup, surtout quand on est très speed et qu'on n'a pas le temps et que le bébé se met à hurler dès qu'on va dans la cuisine parce qu'il pense qu'on est parti aux Bahamas se payer des vacances de rêve sans lui. Non, on revient. Mais ça, il le sait pas. Pour le mot « attendre », on prend bien nos mains en B, double B. On tourne les pommes vers nous. On plie un petit peu et on fait un mouvement de va-et-vient de la part des doigts. Attends, ça suit les syllabes. Attends, on montre bien. Attends, avec un sourire pour qu'il soit en confiance. Attends, attends. Troisième mot, votre bébé s'approche de la prise et commence à tendre les doigts pour mettre les doigts à l'intérieur et on lui dit stop! Le mot arrêter, stop, bref, pour casser l'action qu'il est en train de faire, on essaye de pas trop l'effrayer non plus. Pour le mot s'arrêter, ça marche aussi bien pour s'il est dans la rue que arrêter de manger quelque chose qui n'est pas comestible du tout sur les cailloux. Ou les doigts dans la prise, enfin bref, tout ça. On a donc une main en B. On vient mettre la pomme vers le haut et on a une autre main en B qui vient taper sur la tranche et qui dit arrête, arrête. Un coup sec, arrête. Quand on fait le signe arrêter, il vaut mieux donc signer et ensuite prendre l'objet que le bébé est en train de manger ou l'action qu'il est en train de faire et déplacer. C'est-à-dire soit lui donner un nouvel objet qu'il peut manger ou l'amener à un autre endroit pour faire une activité qui n'est pas dangereuse. Qu'il comprenne que ce signe s'arrêter arrête l'action qu'il est en train de faire. Un mot utile et qui fait rêver, ranger. Ranger. Jamais il range. Jamais. Il dérange. Hein. Déranger, je devrais vous apprendre. Ranger, jamais. Hein. Bon, on va l'apprendre. Ranger. Pour le mot ranger, on prend nos mains en 5, bien ouvertes nos mains, et on va taper un coup d'un côté, un coup de l'autre. Ranger. Un coup chacun. Ranger. On fait ce signe-là quand on est en train de ranger tous les Playmobil qu'il y a partout dans la chambre et qu'on en a jusque-là. Ranger. Je range. C'est le moment de ranger. Ranger. Je vous laisse les bosser, les réviser et les enseigner à vos enfants. Moi je vous dis à la semaine prochaine.